Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2020 et allant au lendemain du 8 mars, nous avons jugé opportun de nous intéresser encore et toujours, vous le savez, aux questions de la femme, des droits de la femme, mais spécifiquement au volet entrepreneurial, car aujourd'hui on parle entrepreneuriat féminin et nous avons aujourd'hui l'opportunité d'être accompagnés par le Profeget qui nous a proposé des invités avec qui on va discuter tout au long de cette émission, mais également avec vous, chers téléspectateurs. Vous le savez, sur Facebook, on attend vos réactions par rapport justement à la question de l'entrepreneuriat féminin. Mais en attendant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue et de bien installer mes invités. Donc, juste à ma droite, nous avons une chef d'entreprise. Elle est dans l'événementiel et grâce à elle, aujourd'hui, je veux dire que mes tables sont toutes en fleurs. C'est la promotrice de Diam Seven, Madame Nana. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Ça s'est bien passé hier? Oui, hier, ça s'est bien passé en famille. Okay. Les hommes ont essayé d'être en cuisine. Ah, c'est bien. Un bon plat en est sorti, j'espère. Des grillades, donc c'est pas Ah. vraiment des plats, mais bon, ils ont essayé. C'est déjà bien, on le prend C'est comme déjà ça, on dit bah, merci beaucoup, on espère que bah, aujourd'hui ça continue. Peut-être qu'aujourd'hui il y a un bon plat de riz gras qui va sortir à la fin de cette émission, sait-on jamais. On croise les doigts et on espère. On croise les doigts. Et en face de Madame Nana, nous avons Madame Oudraogo. Bonjour, dans le micro. Vous avez un micro à la main. Comment vous allez? Écoutez, ça va bien. Je suis ravie Alors, d'être là. vous êtes responsable du centre d'incubation du Désieux. Exactement. D'accord. Hier, c'était comment? Hier, c'était bien. Ok, quelque chose de Oui. spécial est sorti. Une activité en famille, Ok. tranquillement, tranquille. Les hommes sont en cuisine? Oui. Vous avez eu Oui. confiance? Oui, bon, ça va. Ça va. Personne n'a été malade, donc c'est bon. Tant mieux. Non, mais attends, on était rassurés. Où on était confiante dès le départ. C'était 50-50. D'accord. Personne n'a été malade, c'est Personne n'a été l'essentiel. malade. Dieu merci. En tout cas, on est ravis de vous trouver aujourd'hui. On va savoir plus pour tous ceux, en tout cas, qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un incubateur. Avec vous, on essaiera de connaître ce que c'est qu'un incubateur, comment ça fonctionne et quelle est votre place justement dans l'univers de l'entrepreneuriat féminin et jeune. Et juste à côté de vous, nous avons une autre chef d'entreprise, Madame Concebo. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Sereine. Très. Alors, hier, comment ça s'est passé? Hier, par contre, à mon niveau, j'ai plus travaillé. Oh. J'étais en production parce OK. que bon, il faut répondre à la demande. D'accord. Et quand on est entrepreneur, on ne connaît pas les jours fériés. C'était pas un jour férié, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas partout pareil pour tout le Oui. monde. Mais ça va, c'est comment on se sent quand on se retrouve à travailler le jour où on commémore les droits de la femme? Moi, personnellement, je n'ai pas aperçu ça comme une contrainte, en fait, D'accord. parce que c'est dans mon domaine, c'est dans ma passion. OK. Donc, ça contribue à mon épanouissement également. Donc, je ne me suis pas sentie plus contrainte que ça, mais plutôt, j'ai fait mon travail comme j'ai l'habitude de le faire. Super. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être ici. On va faire plus ample connaissance avec votre structure dans peu de temps. Mais je le disais en introduction, aujourd'hui, donc, entrepreneuriat féminin, donc, atteinte des droits de la femme. Aujourd'hui, une émission que nous vous proposons en collaboration avec le Profeget. Qu'est-ce que le Profeget? Comment est-ce que le Profeget accompagne les jeunes entrepreneurs au Burkina Faso? Eh bien, on écoute ce petit mot du coordonnateur national, Monsieur Sissao, et on revient pour la suite de cette émission. Disons que le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté, Profeget, c'est un projet qui est initié par le PNUD avec l'appui financier de l'ambassade du Grand Duché de Luxembourg et mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a des initiatives qui émergent de plus en plus et qui reconnaissent justement la nécessité d'accompagner les porteurs de projets et d'entreprises. Je vais parler donc des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant qui émergent de plus en plus dans notre contexte, notamment les incubateurs. On intervient justement à travers quatre actions donc de stratégie. La première action pour nous, c'est déjà de pouvoir renforcer déjà ces initiatives qui existent là, en tout cas contribuer à les renforcer, renforcer les capacités opérationnelles des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant dans les incubateurs. La deuxième action pour nous, c'est de pouvoir faciliter, si vous voulez, le réseautage. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir faciliter justement les partages d'expériences, d'informations et de bonnes pratiques dans l'accompagnement entrepreneurial. Au-delà de ça, il y a la fameuse question donc de crise des valeurs.
Quand je parle de crise de valeur ici, je veux faire référence à la citoyenneté. Ici, on met l'accent véritablement sur la citoyenneté. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce projet-là. Les valeurs citoyennes, donc, de solidarité, donc, de civisme, de cohésion sociale, de culture de la paix et tout ce que vous voulez. Ça, c'est très important pour nous, surtout dans le contexte que nous vivons actuellement. Et il y a naturellement la question financière. La question financière, ici, nous travaillons déjà au sein du projet à faciliter, si vous voulez, le démarrage à travers un fonds de prototypage, un fonds d'appui donc, au démarrage donc, des activités économiques des jeunes, après le processus d'incubation. Mais au-delà de ça, nous travaillons aussi avec un réseau de structures de financement. Je veux parler des banques, des IMF, donc les institutions de microfinance et les fonds nationaux aussi, qui ont aussi du potentiel, qui ont déjà financé beaucoup de projets ces dernières années. Mais nous comptons justement mobiliser tous ces acteurs-là pour pouvoir accompagner en tout cas les projets innovants des jeunes. Qui sont vraiment source donc de création d'emplois décents et durables pour la population. En tout cas, on dit un grand merci à M. Cicero, qui en principe devait être sur ce plateau aujourd'hui, mais il se trouve que tout le mois de mars, les lundis appartiennent aux femmes. Donc, dans le loft, c'est comme ça. Tout le mois de mars, les lundis appartiennent aux femmes. Donc, il n'y avait pas de place pour lui, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Cicero, pour la compréhension et pour cet élément qui nous explique à peu près comment fonctionne et c'est quoi les principes du Profegec, projet femmes, jeunes entrepreneurs et citoyenneté. Et comme on parle d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat féminin et que j'ai deux femmes entrepreneurs sur ce plateau, c'est vrai que dans l'élément de Monsieur Cicero, on a entendu parler de l'incubation. On va comprendre ça tout à l'heure avec Madame Odrago, mais en attendant, je me tourne vers Madame Nana pour déjà faire plus connaissance avec Diam Sevent. C'est quoi Diam Sevent? Alors Diam Sevent, c'est une agence d'événementiel. On fait tout ce qui est l'organisation d'événements de A à Z. On peut vous faire du clé en main, c'est-à-dire l'organisation de conférences, l'organisation de sommets. Ça va du planning, de tout ce qui est faire les cotations financières pour un client. Jusqu'à l'aménagement, par exemple, d'une soirée de gala, ou etc. D'accord. Donc, ça va, c'est vraiment tous les éléments d'un événement. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est comme on est dans l'idée de faire du clé à main et que le client reste vraiment le centre de notre activité, nos services sont vraiment centrés sur les besoins du client. Donc, d'accord. Si vous voulez du clé en main ou un événement géré de A à Z, on le fait. Si vous voulez juste le volet location, on le fait. Si vous avez juste besoin aussi du côté conseil, on le fait aussi. D'accord. Donc, on s'adapte vraiment à la demande et à ce que veut le client. Et comment vous avez décidé de créer votre entreprise? Alors, ça a commencé, je dirais, par des proches, des amis qui m'ont un peu... qui m'ont un peu poussé parce que c'est vrai que honnêtement l'événementiel c'est pas vraiment ce à quoi je pensais comme carrière. D'accord. Et donc parce que j'ai fait moi bon c'est pas très loin je dirais mais c'est vrai que j'ai fait donc gestion des affaires et ensuite un master en marketing donc c'est un peu ce que j'ai fait. Ouais. Et après j'ai tourné un peu dans tout ce qui est la logistique, les assurances. Donc très loin de l'événementiel. De l'événementiel. Mais de côté, j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui est le service. D'accord. Donc, je fais des certificats en gestion d'hôtellerie et aussi en gestion d'événements. OK. Et quand je suis rentrée à Ouaga, j'ai eu à organiser des événements pour des amis, mais vraiment juste des anniversaires ou donner des coups de main sur des organisations d'événements. Et j'ai une amie qui m'a dit, bon, je pense qu'il est temps que tu fasses de l'argent. Pourquoi tu ne te lances c'est pas? C'est beau de rendre service, mais après, quand on travaille, voilà, c'est bien, exactement. Autant se faire payer. Il faut peut-être penser à te faire payer. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et je pensais vraiment qu'il y avait de la place sur le marché et qu'on pouvait faire des choses différentes parce que, ayant eu l'opportunité de voyager, de voir aussi ce qui se passe à l'étranger par la télé ou d'autres choses, je trouvais que c'était un peu dommage de voir que pour un pays, pour le Burkina, qui est tout le temps en train d'organiser des conférences ou des mm-hmm. événements, à titre international, régional, qu'on ne puisse pas atteindre certains niveaux de qualité et de représentation. Mmh. Donc, je me suis lancée le défi de rentrer sur le marché en espérant faire une différence. En tout cas, moi, j'ai envie de dire défi relevé.
Pour ce Merci. que j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas, je trouve que vous faites du bon boulot, Merci. sérieusement. Merci Et beaucoup. En face de Madame Odrago, nous avons Madame Consebo. Elle est dans la cosmétique. Également une passion qui devient un métier. Exactement. D'accord, donc comment ça a commencé? Déjà, le nom de la marque, c'est C'est Beauty by Emerald. Beauty by Emerald. Exactement. Comment ça a commencé? Je dirais que déjà en entrepreneuriat, j'avais débuté quand j'étais étudiante. D'accord. Quand je rentrais en vacances, je ramenais des effets pour revendre, en fait. Et ça c'est commerçante dans l'âme. Voilà. Et je dirais que le déclic en matière de cosmétique est venu quand je suis revenue m'installer ici définitivement il y a 3 ans de cela. D'accord. Je lisais beaucoup. En fait, j'avais commencé à m'intéresser aux ressources naturelles qu'on pouvait trouver ici. D'accord. Qui se rapprochait à la cosmétique. Et je suis tombée sur une poudre qu'on appelle la poudre de Chébé, qui vient du Tchad, okay. Qui est beaucoup utilisée par les femmes là-bas pour prendre soin de leurs cheveux. Oui. Et je me suis dit, bon, je peux commencer par là, ça a l'air intéressant. Et surtout que je suis rentrée dans le mouvement des nappies, tout ce qui est cheveux non défrisés, en 2013. Donc je voulais rester dans cette optique-là. D'accord. Aider les femmes à rester au naturel. À rester au naturel, leur prouver que c'est possible. Et parce que, bon, le plus souvent, ceux qui reviennent disent, ah, c'est trop dur, on ne peut pas coiffer, il faut forcément défriser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voir, en fait, tâter ce terrain-là pour voir comment faciliter la vie des cheveux, des femmes qui portent leurs cheveux crépus. C'est une très bonne idée. Voilà. Et donc, j'ai commencé par vendre la poudre de Chez Bé. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que son utilisation n'était pas très aisée. C'est super salissant. Et pour des femmes qui bougent, des femmes qui travaillent, des working women, c'est difficile. On n'a pas le temps, on a la famille. On ne peut pas passer 3 heures tout le temps au salon pour ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas ne pas faire une gamme qui va faciliter l'utilisation de cette poudre-là. Et donc, du coup, je l'ai déclinée en huile, en beurre et en shampoing solide. D'accord. Et ça a été la première marque de Beauty by Emerald que j'ai lancée en août 2018. D'accord. Et au fil du temps, je me suis dit, bon, je ne peux pas m'arrêter qu'à ça. Il y a également d'autres pistes à explorer. Et donc, du coup, je me suis intéressée à nos ressources naturelles, aux huiles qu'on peut trouver au Burkina, comment les associer dans le domaine cosmétique. Et au fil du temps, j'ai rajouté les huiles de baobab, de nîmes, de balanites. Également, même la poudre de riz qui s'utilise de manière cosmétique, que j'ai introduit également dans mes produits à vendre. Donc, ça va faire 1 mois et demi que Beauty by Emerald existe. Et les défis se relèvent chaque jour. Et encore pas mal de choses à découvrir. Eh bien, c'est un joli parcours. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée parce que franchement, je me rappelle quand j'étais petite, quand il fallait aller au salon, déjà la veille, il faut étendre ça, ça fait déjà mal. Ensuite, tu arrives au salon. Si la coiffeuse n'est pas de bonne volonté, elle dira qu'elle ne peut pas. Et après, souvent, la solution, c'est de couper. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour cela. Et aujourd'hui, vous êtes accompagnée par le Profegec. Aujourd'hui, je suis accompagnée par le Profegec à travers le centre d'expertise et d'incubation ACRI. D'accord. Et je suis arrivée par là, en fait, en participant au Salon des initiatives féminines pour le développement CIFED. D'accord. Qui a eu lieu l'année passée et qui aura lieu en fin mars, d'ailleurs, pour la 3e édition. Et en fait, c'est organisé au cours du WOLAF, qui est parrainé par la Première Dame. Donc, on nous a donné la possibilité d'exposer nos produits, de faire connaître nos produits, également, en fait, de passer devant un jury pour parler de nos entreprises. Et suite à ce passage-là, j'ai été primée, où j'ai eu la 2e place. Super. Et dans le prix, en fait, il y avait l'incubation qui était prévue. Quoique j'ai dû repasser devant le jury du Profegec pour expliquer à nouveau et être officiellement intégrée dans la coupe du Profegec à travers mon centre d'incubation ACRI. D'accord. Justement, incubation, qu'est-ce que c'est, Madame Odrago? La question me revient, merci. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un incubateur? Un incubateur, c'est un centre de service en réalité. Donc, son objectif, son ADN, c'est d'accompagner les projets d'entreprise,
ainsi que les entreprises déjà même créées en fait. Il y a différents niveaux d'accompagnement et de suivi. Mmh. Au sein de l'incubateur, vous avez une équipe qui est dédiée en fait, à qui vous venez, voilà, vous dites, bon, vous êtes à un certain stade, vous avez peut-être une idée ou autre, et vous exposez vos difficultés. Vous recherchez peut-être un modèle économique et financier. Vous avez peut-être besoin de sortir tout simplement même de votre solitude, parce qu'un entrepreneur, c'est solitaire, ouais, à un certain moment. Oui. Voilà, donc sortez de votre solitude, identifiez des experts dans le domaine concerné et autres. Donc c'est tout ça qu'offre un incubateur. Et en général, on vous offre en plus donc des services managériaux, des locaux, etc. Donc c'est tout ça en fait. C'est vraiment un centre de services. Et ce qu'il faut savoir aussi par rapport à l'incubateur, c'est que, elle l'a expliqué, hein, elle est venue donc dans l'incubation avec son projet, oui. Et donc elle avait une vision, elle veut aller à un point, d'un point A à un point B, et donc le rôle de l'incubateur, c'est de l'accompagner pour qu'elle arrive justement à la destination qu'elle a définie. D'accord. C'est pas l'incubateur qui décide pour vous de la destination, hein. Ça je veux vraiment être claire là-dessus dès maintenant. C'est pas le rôle de l'incubateur de faire donc, ça. Donc, en réalité, quand on arrive là, c'est qu'on a déjà, on a une idée très claire de ce qu'on a envie de faire, d'où on veut aller, mais le comment. Parfois, c'est pas forcément très clair. Hein. D'accord. On a une idée, vous pouvez pas arriver sans avoir quand même une idée. C'est sûr. Voilà. Faut avoir au moins, au minimum, une idée. Mm-hmm. Certains, je dirais, certaines structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant prennent les jeunes à partir du stade de l'idée, en fait. Ah, j'ai pensé que ce serait bien de faire telle chose. Ils vont vous accompagner en disant, bon, ok, il y a toute une démarche, etc. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. Et certains vont plus se focaliser sur le segment en disant, nous, on veut déjà des entrepreneurs qui ont déjà commencé leur projet. Et donc, on veut les accompagner pour accélérer leur... leur business, mm-hmm. ou alors pour, je ne sais pas moi, retravailler sur le positionnement, sur la marque, vous accompagner pour trouver un financement. Donc c'est vraiment, il y a différentes structures, on a vraiment un écosystème. D'accord. Et c'est bien ce qu'a compris le PNUD avec le projet du Profégec. Mm-hmm. En fait, c'est de permettre d'avoir un panorama d'accompagnateurs pour pouvoir aider, parce que certains, ce serait plutôt un projet technologique. Mmh. D'autres, ce serait peut-être plutôt un projet dans le green, donc l'agriculture, ce genre de choses-là, ben, le cosmétique et tout ça. Donc vraiment, il y a une panoplie de types d'incubateurs. Nous deux yeux, par exemple, nous sommes plus dans, je dirais, dans les projets à fort impact sociaux et environnementaux, en fait. D'accord. Parce que la stratégie, la vision qui a conduit à créer l'incubateur de deux yeux, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour accompagner le développement du continent, en fait. Okay. Donc, c'est vraiment ça qui nous mène. Mais je vous écoute parler, je me dis, bon, c'est vrai, vous faites dans l'accompagnement d'entreprise, mm-hmm. mais incubateur, c'est également une entreprise. Est-ce que ça peut être défini comme ça aussi? Oui et non, parce qu'il y a différents types d'incubateurs. D'accord. Il y a des incubateurs qui sont de type privé. Okay. Et donc, pour la formalisation, ben, les gens lui créent une entreprise, une SARL ou autre, ça c'est vrai. Mm-hmm. Maintenant, nous, dans notre modèle, nous sommes deux IE, c'est un centre de formation. Hein. Oui. Nous sommes une école d'ingénieurs dans les domaines donc, de l'eau, l'environnement, génie civil, mine et autres. Donc, nous, c'est notre ADN d'abord. On a des formations, on forme des ingénieurs entrepreneurs et notre système est aussi adossé sur nos laboratoires de recherche. Parce que nous sommes convaincus que la recherche appliquée que nous avons chez nous va permettre donc aux ingénieurs de pouvoir faire passer ce cap-là pour le développement du continent. Et donc, nous, notre modèle économique, nous sommes un incubateur d'université, en fait. D'université, d'accord. Voilà. Donc, notre modèle économique est encore différent de celui d'un incubateur, je dirais, entre guillemets, avec une structuration plus classique. D'accord, en fait. Ok. L'entrepreneuriat. Ils sont dans les industries, dans l'agroalimentaire et dans les services. Qui sera la pépite 2019? Qui remportera le prix du meilleur jeune entrepreneur d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Prenez rendez-vous avec votre émission de télé-réalité Pépite d'entreprise sur la première audience télé BF1. Très bientôt à l'antenne et sur la page Facebook Pépite d'entreprise BF1. Suivez les pépites lors de leurs différentes sessions de formation. La finalité de cette émission, c'est de véritablement promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse. Leur sortie terrain, leur rencontre avec des mentors et leur passage devant les jurés pour des primes éliminatoires. Ma confiance, miser sur mes talents, développer ma propre franchise pour enfin vivre la vie de mes rêves. Et quel est le modèle économique? Comment vous vous rémunérez? D'ici 2025, avoir une chaîne de supermarchés. Pépite d'entreprise, c'est la chance pour 100 jeunes de réaliser leurs rêves. Sous le parrainage de M. Idriss Anassa, PDG de Coris Group. Des jeunes qui croient en eux-mêmes. Des jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas peur de se battre
pour atteindre des objectifs. Avec le coach d'affaires principal certifié Moussa Zango, la collaboration de l'association Koura et le soutien de Coris Banque Internationale, Oracle Burkina SA, l'AFP PME, la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat et Elitis Express, Pépite d'entreprise, le NEC le plus ultra de l'entrepreneuriat jeune au Burkina Faso. Eh bien, petite interruption avant de revenir pour la suite. Donc, avant de partir, j'étais en train de demander si votre incubateur n'accompagne que les étudiants du 2IE ou vous vous intéressez à d'autres entrepreneurs, vu que c'est un incubateur de l'université. OK. Alors, la réponse est, nous accompagnons aussi bien donc des diplômés donc de 2IE. D'accord. Parce qu'en réalité, quand on, l'incubation, ça va relativement vite. Le temps est court. Mm-hmm. Il faut essayer de maximiser les choses et quand on est dans un processus où on est en train de se former, c'est difficile de pouvoir être à 100% sur son projet. D'accord. Donc on accueille donc des diplômés donc de 2IE, mais également par une voie externe et notamment dans le cadre du projet Profegec, on a une dizaine d'entrepreneurs qu'on accueille par rapport à ce projet-là, donc oui, également. D'accord, ok. Donc plusieurs catégories d'entrepreneurs, si j'ai bien compris, à tous les niveaux. À chaque étape de la vie d'une entreprise, on peut éventuellement avoir besoin du regard Exactement. D'un incubateur. Exactement. Est-ce que Diam Seven a déjà eu affaire à un incubateur ou a déjà pensé à se tourner vers un incubateur? Honnêtement, on est en train de réfléchir un peu parce que la vision, c'est de idéalement pouvoir aller peut-être sur le plan régional, ne pas D'accord. seulement s'attaquer au marché burkinabé. Okay. Donc c'est vraiment, on est en train effectivement d'y réfléchir comment se faire accompagner pour pouvoir faire grandir l'affaire. Mais bien sûr, pour le moment, la concentration est sur le Burkina. Oui. Et les villes adjacentes, quand je parle du Burkina, il n'y a pas que Ouagadougou. Mais donc, c'est sûr. C'est, comment s'étendre sur d'autres villes comme Bobo-Dioulasso, par exemple, ou Kédougou ou autre. Donc, d'accord, ok. Donc, en tout cas, on souhaite bon vent à chacune et à l'incubateur aussi. Vivement que beaucoup de gens... Est-ce que vous avez le sentiment que les gens connaissent ce que c'est qu'un incubateur? Non. Non. Ah. Pas assez. Alors, justement, l'écosystème est en train de s'organiser pour faire connaître le métier de l'accompagnement en réalité, hein, pour expliquer, parce qu'on est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un centre de service qui peut vraiment faire la différence. Parce que quand on se lance, surtout qu'on est, bon, entre guillemets, jeune, hein, voilà, parce que bon, il y a peut-être des personnes qui sont plus âgées mais qui veulent commencer un projet, donc le projet est jeune de d'autres manières. Ah oui. Et à ce moment-là, on ne sait pas forcément par où commencer. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir vous dire, bon, mais écoutez, voilà une certaine manière, une méthodologie qu'on vous propose. Vous gardez votre vision, hein. On ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. C'est vraiment une collaboration et ça vous permet d'aider, bon, ok, voilà. Donc, la manière dont moi je le comprenais, c'était ça. Et on avance, c'est vraiment une démarche, un fonctionnement pas à pas, en fait. D'accord. C'est okay. ça. Bah, c'est bon à savoir. Donc, on espère vraiment que les jeunes entrepreneurs et les futurs entrepreneurs apprendront à savoir ce que c'est qu'un incubateur, car certainement, je pense que ça augmente la chance de viabilité des entreprises qui, malheureusement, souvent meurent trop tôt dans l'œuf. Parlons maintenant entrepreneuriat féminin spécifiquement. Donc, c'est quoi vraiment les défis de l'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce que l'on pense justement de l'entrepreneuriat chez les femmes? On a posé la question en micro-trottoir, on a recueilli des avis, donc on les écoute avant de revenir pour parler de ça. Je crois que pour l'entrepreneuriat féminin, c'est important. Vous savez que la population, même les femmes sont les plus nombreuses. Donc si elles n'entreprennent pas, le développement économique sera même un problème. Donc moi, je crois qu'il faut encourager l'entrepreneuriat. Donc nous devons tous nous y mettre et aider nos sœurs, nos filles et nos femmes, nos mamans à entreprendre. Les domaines d'activité que peuvent mener nos sœurs, ce qui peut apporter d'argent, ils peuvent le faire. Maintenant, ça ne doit pas aussi jouer sur la vie de la famille, à tel point que madame n'a plus le temps de s'occuper des enfants, ou bien, bon, la famille n'est plus une priorité pour elle. Bon, ça aussi, ce n'est pas bon. En Afrique, ici, quand une femme qui entreprend, qui travaille, qui est indépendante financièrement, c'est une famille épanouie. Donc, l'entrepreneuriat féminin, c'est très bon. C'est à encourager. Non, il n'y a pas de limite à l'entrepreneuriat. Hein. La femme peut tout faire, elle est capable de tout faire. Il n'y a pas de mal. Moi, je pense que c'est toujours mieux d'avoir une femme qui se bat, qui sait se battre, que peut-être d'avoir une femme qui ne fout rien et qui va tout le temps te déranger côté financier, tu vois. Mais au moins, si elle aussi, elle essaie d'entreprendre,
elle sait de vraiment rentrer dans la vie active. Je pense qu'elle saura aussi que le gain de l'argent, ce n'est pas du tout facile. Et ensemble, vous pouvez quand même vous booster, quoi. Elle peut te booster, tu la boostes aussi et puis voilà. Mais ça, ce sont les avis qu'on a entendus. Donc, on a entendu quand même pas mal d'avis. Et du coup, la question que j'ai réservée pour plus tard, je la ramène immédiatement. Parce que quand on dit entrepreneuriat féminin, on a entendu quelqu'un qui dit tout ce qui peut rapporter de l'argent, du moment que ça ne prend pas le pas sur la vie de la famille, du moment que ça n'empêche pas madame de s'occuper des enfants et de son mari et tout cela. Et du coup, en général, quand j'entends entrepreneuriat féminin, je me demande, est-ce que ça veut dire qu'il y a une catégorie d'entrepreneur, une forme d'entrepreneuriat qui est réservée à la femme? Pourquoi on doit spécifiquement dire entrepreneuriat féminin? Alors, moi, personnellement, je pense que c'est une question de société en réalité. D'accord. Parce que sinon, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Mmh. Voilà. Et c'est pas l'entrepreneuriat qui est fait par des femmes. Mais bon, ça a l'air basique comme ça. Mais en réalité, c'est parce que justement, il y a toute une connotation de société derrière. Mmh. Et comme ils l'ont dit, hein, oui, il faut qu'elle l'entreprenne, c'est bien. Mais à un certain stade, là-bas, il faut qu'elle se calme parce qu'il y a des choses à gérer à la maison et autres. Donc, il y a tout ça, il y a tout l'environnement qu'il y a derrière, en réalité, qui fait que bon. Et ça conduit même des femmes à faire des choix. Des fois, c'est même inconscient, mais elles se limitent. Mmh. Même certaines même vont dire, non, je n'ai pas la peine de faire de très longues études, etc. Je vais faire ça rapidement, voilà. Je fais quelque chose de plus court, un format plus court, parce que, bon, effectivement, les enfants... Mais bon, je dirais qu'en même temps, c'est une question d'organisation du couple. Ouais. Monsieur a son rôle à jouer aussi pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas seulement la femme. Donc, bon, là, j'ai une question ouverte. J'ai dit, où sont les hommes? Qu'est-ce qu'ils font pour... Il y a un monsieur qui a dit que c'est ça. Un monsieur qui a dit que il vaut mieux avoir quelqu'un qui est battant et autres. Oui. Ça c'est bien, mais bon, j'espère qu'il a les mesures d'accompagnement qu'ils font aussi pour que ça se passe bien. Parce que c'est vrai que justement, ça, je me tourne vers nos deux femmes entrepreneurs. On a facilement tendance à dire, il y a des hommes qui acceptent, enfin, qu'ils disent devant la caméra, oui, c'est bien une femme qui entreprend et tout ça. Mais est-ce que dans la réalité, de temps en temps, il n'y a pas des petits messages de rappel à l'ordre? Toujours, hein, même inconsciemment, même les parents parfois qui vous ont peut-être encouragé à être des femmes indépendantes et à ne pas avoir à dépendre sur d'un homme, à toujours dire le diplôme ou votre carrière et mm-hmm. votre premier mari, parfois se retrouvent à vous faire des petites remarques. Bon, il faut quand même, faut pas oublier ta vie, ton foyer. Il faut pas oublier le foyer. Il faut pouvoir faire les deux. Donc, comme on le disait, c'est vraiment une question d'organisation après. Pour moi, je pense pourquoi on a tendance à préciser, comme elle disait, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Mais je pense qu'on a tendance à mettre l'accent en disant l'entrepreneuriat féminin, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les recherches, on réalise que c'est vraiment un moteur de la croissance économique mm-hmm. pour une nation, et surtout pour les pays en voie de développement. On réalise vraiment le potentiel que ça peut être pour sortir... de la détresse et de la misère. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent dessus en disant l'entrepreneuriat féminin, pour dire qu'il faut l'encourager. L'Afrique reste toujours un des, malgré toutes les difficultés qu'on a, l'Afrique est le continent là où il y a le plus d'entrepreneurs féminins. Exactement. Malgré toutes les difficultés. Malgré tout ce qu'on voit, ce qu'on vit et ce qu'on entend, voit. Oui. En Afrique subsaharienne, je crois d'après le chiffre, une femme sur quatre est entrepreneur. Au Burkina, le chiffre reste toujours très bas. On a 21%, je pense, des chefs d'entreprise qui sont des femmes. Des femmes, oui. C'est bas, mais ça va pour montrer encore qu'il faut, casser les barrières. Oui. Donc, ça commence par améliorer l'accès à l'éducation, à la formation, absolument. Aussi à la santé. On a tendance à vraiment minimiser ça. Et ensuite aussi à avoir les mêmes avantages par rapport... aux hommes par rapport à l'accès aux outils financiers, mm-hmm. pouvoir aller prendre un prêt à la banque, des choses comme ça. Donc ça... Le foncier également. Voilà, le foncier, c'est très important, effectivement. Exactement. Moi, j'ai envie de demander à Mme Concebo, depuis qu'elle est entrepreneur, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans sa vie et dans sa façon de fonctionner? Je peux dire que j'ai gagné en maturité. D'accord. Parce que en fait, avant, bon, moi, j'ai toujours été salariée derrière un bureau. Je suis également juriste, donc j'allie les deux. Et être entrepreneur, ça m'a poussée à aller sur le terrain. Donc à voir réellement de mes propres yeux ce qui peut se passer, mm-hmm. à être confrontée à des difficultés qu'on n'a pas nécessairement en étant derrière un bureau, à tomber,
à se relever, à se faire de l'expérience et à pouvoir en savoir anticiper. D'accord. Donc je veux dire que j'ai gagné en maturité entre celle que j'étais il y a 2-3 ans, c'est différent de celle que je suis maintenant. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai, au départ, en fait, quand je me suis lancée, c'était, je disais que je pense que j'avais une vision un peu courte. Et au fil du temps, à travers l'incubation, à travers les formations et de voir et d'évoluer, la vision en fait s'élargit. On voit maintenant plus grand. Et malgré toutes les difficultés, je pense que c'est cette vision-là qui nous porte en fait. D'accord. À travers, parce qu'en se disant, moi par exemple, je me rappelle que j'organisais un événement en décembre dernier et j'ai connu une série de catastrophes, je peux dire ça ainsi. Tous mes emballages étaient bloqués, toutes mes matières premières, il y avait toujours du retard. Je me suis dit, est-ce que j'annule ou pas? Est-ce que je le fais? Mais c'est un défi que je m'étais fixé pour 2019. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais si tu annules là maintenant, qu'est-ce que... Je veux dire, mes clients, ces gens qui me soutiennent, qui me portent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que beaucoup de gens te regardent. Il ne faut pas tomber. Enfin, même si tu tombes, il faut arriver à te relever. Mm-hmm. Et j'ai découvert qu'en fait... Face à certaines difficultés, on a les capacités de trouver des plans B, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Et finalement, tout s'est très bien passé. Je vais dire, je sais que pour l'année prochaine, ou bon, pour 2020, comment, je sais que ces difficultés-là, je n'aurai pas peur même si elles surviennent encore. Je paniquerai moins et je saurai anticiper mieux. Donc, je peux dire, l'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup en maturité. D'accord. Et est-ce que, Madame Odrango, souvent, quand une femme se lance dans l'entrepreneuriat, on a confiance. Est-ce que beaucoup ne se disent pas derrière que ça n'ira pas plus loin que ça? Je pense que les femmes ont quand même un grand capital de confiance, hein, parce qu'on les connaît comme étant plus consciencieuses et plus D'accord. appliquées. Donc oui, quand même, de ce point de vue-là, on leur fait confiance. Mais je dirais que ça dépend des secteurs. Des secteurs. Mmh. Voilà, il y a des domaines où on a une conception en se disant peut-être plus masculin que d'autres. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à peut-être avoir certains doutes. Bon, c'est ce que je disais, c'est vraiment c'est un héritage de la société, hein. Ça, ouais. on fait avec. Si je pense même à certaines entrepreneuses qui ont commencé il y a des années, par exemple, je pense à Madame Caboret, Henriette Caboret, qui était dans le génie civil. Mm-hmm. Je pense que ça n'a pas dû être simple pour elle au ouais. départ de ouais, s'imposer dans un milieu entre guillemets masculin. Ça a été compliqué, mais elle s'est accrochée et elle ouais. a fait la preuve qu'elle avait sa place. Et donc, c'est exactement ce type de démarche-là qu'il faut avoir. Mm-hmm. Il y aura toujours des clichés, il y a des gens qui vont dire que parfois, certaines femmes, il y a même une sorte de suspicion en disant que quand une femme rentre dans l'entrepreneuriat, pour commencer, peut-être que, bon, il y a une connotation un peu... il faut passer par certaines pratiques mmh. pour pouvoir avoir le capital ou bien pour commencer et ouais. tout, mais c'est pas une réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même un peu dans l'imaginaire. Et une femme, quand elle est compétente, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Madame Nala, est-ce que depuis que vous êtes chef d'entreprise, il y a des moments où vous avez fait face à des difficultés qui sont là plus parce que vous êtes femme que parce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous avez de temps en temps rencontré des difficultés en sachant que si vous étiez un homme, ça ne se passerait pas comme ça? Honnêtement, oui, j'ai eu à faire face à des situations là où j'ai senti que c'est parce que j'étais une femme qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'elle a vraiment les capacités de pouvoir gérer cet événement. Par exemple, la connotation que j'ai tout le temps avec Diam, c'est que ça reste très... au début, bon là, ça commence à changer un peu, mais les gens ont tendance à nous mettre dans une boîte, à dire, ah, vous faites de la décoration. Donc tout de suite, quand je t'ai contacté pour des événements, c'était, OK, décoration. On vous contacte pour faire la décoration. Est-ce que vous pouvez nous faire la décoration? Je dis, mais vous n'avez pas besoin d'autre chose, on peut faire bien plus que ça. On est une société d'événementiel, on ne fait pas que de la décoration. Donc, ça a été tout un combat pour passer mon temps à mon équipe et moi à expliquer qu'on n'est pas juste, on n'est pas une agence de décoration. Ce n'est pas Diam's Décoration, c'est Diam's Events. Diam's Events, donc c'est des événements de A à Z et ça va sur tout l'aspect. Donc, c'est vrai qu'on a eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal sur ces points-là. Mais je pense qu'il y a aussi l'élément de chance mm-hmm. Dans toutes choses, les affaires y compris.
Et j'ai eu l'opportunité, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens qui ont pris le pari et qui ont dit « ok », qui m'ont confié des événements en se disant « on va voir ce qu'elle peut faire ». Et ça a été bien, ça m'a permis de moi-même me réaliser et de pouvoir voir vraiment l'étendue de mes capacités, voir si les limites qu'on a et encore pouvoir, comment on dit ça, parfois faire un pas en arrière, pouvoir faire deux en avant. Voilà, donc reculer pour mieux sauter, exactement, comme on dit. Reculer pour mieux sauter. Mm-hmm. Mais on apprend tous les jours parce que, comme je dis, moi, l'événementiel, ce n'est pas mon métier de base. Donc, mm-hmm. Je dis tout le temps ça à mon équipe. Je dis, je ferai des erreurs avec vous. On est tous ensemble dans ce bateau. J'apprends tous les jours. Je ne suis pas manager de base. Moi aussi, j'étais derrière un bureau. Donc, aujourd'hui, je me retrouve chef d'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, gérer les gens, équipe, une oui. équipe... savoir faire la part des choses, entre être une amie ou une chef d'entreprise. Donc, ça a été très difficile, mais ça fait partie de l'apprentissage. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, ça va dans le sens où je pense que j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris. Et ça permet de réaliser vraiment les difficultés qu'il y a à gérer une entreprise. Oui, j'imagine. Et vous, des difficultés liées plus au genre qu'au fait que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas encore été confrontée à ce type de réflexion ou à ce type d'attitude, en fait, qui pousserait à dire « Ah, c'est une femme, ce n'est pas très sûr ». Non, pour le moment, en tout cas, non, pas du tout. Je dirais que c'est l'effet contraire. Okay. En fait, souvent, j'ai l'impression qu'on charge beaucoup plus de poids sur mes épaules. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Ah. Donc, en fait, la confiance vient des autres et le doute plus de vous. Par moment, oui. La confiance. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Voilà, je dirais que non, pour moi, en tout cas, peut-être c'est une chance. Oui. Pour le moment, non, j'ai pas eu ce genre, ce type de réflexion-là. Et aussi, souvent, je me dis oui, parce que je suis une femme, que peut-être il faut que je prouve que je dois pouvoir le faire. Voilà, oui. Je suis capable d'arriver. Mais peut-être parce que je dirais que je pense que ça a un peu... Dans mes années étudiantes, en fait, j'ai été confrontée à un univers, parce que, bon, je suis arrivée en Europe pour faire mes études. Et en fait, je suis tombée dans une université très bien, mais qui, à l'époque, en fait, avait du mal avec les personnes de peau noire, par exemple. Donc, du coup, on arrivait là dans un esprit déjà de « faut se surpasser ». Ben oui. On arrivait déjà avec un handicap, donc j'ai été confrontée à ça. Donc, du coup, je pense que ça a aussi joué sur moi, en me disant que même si j'avais en face de moi, parce que le problème de la race reste plus important que le problème du genre. Donc, je suis arrivée à surpasser ça. Donc, je pense que même si on doute de moi parce que je suis une femme, très honnêtement, ça n'impactera pas sur ma confiance ou sur mes compétences ou mes capacités. Madame Rodrigo, vous qui accompagnez les entreprises, est-ce que de temps en temps, vous avez l'impression que le défi de la réussite est plus grand, le défi est plus grand pour les femmes que pour les hommes entrepreneurs? Je vais revenir sur ce que Madame Nana a dit, parce qu'il y a vraiment un enjeu sur la formation. D'accord. De toute façon, dans le programme que nous développons, nous faisons des ateliers sur l'esprit d'entreprise. Mm-hmm. Dans le milieu de l'ingénierie, déjà à la base, elles ne sont pas nombreuses. Oui. Elles sont à peine une trentaine de pourcents, généralement. Et après, maintenant, quand on passe dans le pipe même de l'entrepreneuriat, du programme sur l'entrepreneuriat, elles sont encore moins nombreuses. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il faut vraiment sensibiliser les jeunes et particulièrement les filles en leur disant que ce sera pas un handicap pour leur vie, mais au contraire, c'est un plus. Mm-hmm. Et ça, on a besoin vraiment d'en parler. Mais ce n'est pas seulement aux filles qu'il faut parler, c'est également aux familles. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment tout l'environnement qu'il y a autour, parce que c'est important. Parce que elle peut avoir bien compris les avantages donc, de se lancer dans une carrière entrepreneuriale ou autre, sur la base de son diplôme, même dans un domaine tout à fait autre. Mais si son entourage derrière n'encourage pas, c'est un peu compliqué. On a fait en février 2019 là un policier à Caton. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée c'était quoi? C'était de réunir dans un format très court des entrepreneurs à tous les stades donc de leurs projets, idées, etc. Et de leur demander comment est-ce qu'on peut parce que la démarche c'est vraiment une démarche de co-construction avec les politiques publiques.
et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le climat des affaires donc pour pour les entrepreneurs. Donc les femmes étaient aussi bien naturellement dans le process, et on a fait ça avec l'organisation panafricaine I4 Policy. Et on s'est rendu compte que la plupart, tous en fait, nous ont dit que la famille est là. Il y a quelque chose à faire là-bas. Parce que c'est vrai, il faudrait former les jeunes là très tôt, dès qu'ils sont tout petits, mais également la famille là qui, c'est le premier soutien qu'on a. Donc si dans votre famille, c'est mal perçu, ou bien c'est perçu, on vous dit non, voilà. Trouve-toi un emploi stable, fais pas de vagues, exactement. Reste là. Bon, certains vous disent, on a payé des études, je ne sais pas pourquoi tu arrives te lancer dans je ne sais pas quoi. Bon. Oui. Ça peut se comprendre, mais il faudrait aussi que l'environnement accompagne également tout cela. C'est très important. Il y a un truc qui, moi, je me suis toujours posé cette question, c'est personnel, je partage avec vous. Vous me direz tout ce que vous en pensez, mais moi, j'ai le sentiment que dans notre société, souvent, on a l'impression que quand on veut parler de l'entrepreneuriat associé à la femme, la société pense activité génératrice de revenus, point. Est-ce que c'est juste moi qui ai ce sentiment, ou vous aussi, mesdames? Oui, il y a ce sentiment-là qui est légitime, parce que c'est ce que nous renvoie la société. Mais très honnêtement, moi qui ai eu la chance, l'opportunité de rentrer en incubation, c'est vraiment différent. Parce que quand on arrive là-bas, on arrive avec, comme a dit madame, notre idée ou notre projet. Donc, on a une vision, mais quand je dis la vision, elle évolue en fonction des formations qu'on a, des opportunités qui s'ouvrent à nous. Mm-hmm. Donc, en fait, on nous apprend que, en fait, l'entrepreneuriat, il faut voir pérennité. Ouais. Il ne faut pas, on ne vend pas telle chose pour avoir de l'argent, encaisser et dépenser son bénéfice et s'arrêter là. Souvent, on n'a même pas, en fait, souvent, il ne faut même pas regarder le côté argent. Il faut regarder le côté opportunité qui va se créer derrière. Mmh. Donc, et on a des formations dans l'incubateur, en fait, initiées par l'incubateur en entrepreneuriat. On nous apprend à monter des plans d'affaires, des stratégies marketing. On donne une certaine éducation financière pour gérer une entreprise en tant que telle. Mmh. Donc, en fait, on nous forme à être des managers, à être des personnes qui... Et comme dirait mon formateur qui a mis en place justement des formations en entrepreneuriat, lui, il a dit qu'il s'est rendu compte que dans les pays occidentaux, les entreprises, en fait, ont un historique sur des centaines d'années. Ah oui. On prend des entreprises qui ont 200 ans, 300. Alors, ici, on a du mal. L'entreprise, elle est portée après, au bout de 5 ans, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de nous pousser pour que quand on va pouvoir nous mettre en place, dire que j'ai créé mon entreprise, ça ne s'arrête pas à prendre le bénéfice, que ça dépasse notre propre personne et que l'entreprise puisse survivre à nous-mêmes. Mmh. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est ce que beaucoup ont compris, spécifiquement les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles ont toutes compris ça? Est-ce qu'elles sont dans cette dynamique? Ou est-ce qu'elles sont dans une logique de résoudre un problème ici et maintenant qui est justement être autonome financièrement? Celles qui entrent en incubation ont plus de vision que la simple génération de revenus. C'est la vision est beaucoup plus comme ce qu'elle a expliqué. Parce que vraiment, c'est ce qu'elle dit, c'est une pérennisation. En Europe, il y a des familles qui sont qui ont des histoires, quoi. 200 ans plus tard, ça continue avec le petit-fils ou la petite-fille ou l'arrière-petit-fils, etc. et autres. Et c'est ça qu'on veut arriver à construire, parce que c'est ça qui va être le vrai levier de développement. Parce que si on arrive sur le marché et qu'on produit pendant 1 an, 2 ans, bon, on a embauché, on a fait travailler 5 personnes, et puis après, demain, on disparaît, c'est des emplois qui disparaissent également. Mmh. Or, vraiment pour arriver à ça, et vraiment pérenniser, il faut vraiment arriver à pérenniser la démarche. Et non, avec tout le... Justement, parce que quand vraiment l'incubation, c'est vraiment c'est du sur-mesure, en fait. D'accord. C'est du sur-mesure. Donc, on échange avec vous, on essaie de comprendre votre vision, on vous accompagne, on vous forme, on vous muscle. Mm-hmm. C'est vraiment ça, hein, on vous muscle pour que justement, parce que la compétition ne s'arrête pas. C'est toujours, il y a toujours des enjeux, il y a toujours d'autres choses. Il faut que vous soyez capable donc de pouvoir vraiment durer dans le rester temps. Rester viable. Exactement. Et donc, c'est pour ça que l'incubation peut se faire à différents stades et à différents moments. Mm-hmm. Et c'est si l'entrepreneur le ressent lui-même immédiatement en disant, bon voilà, à ce moment-là, j'ai besoin d'un appui sur ça.
on design ça pour lui et on l'accompagne pour qu'il puisse justement aller lever les obstacles en fait. D'accord, ok, bah, c'est intéressant à savoir tout ça. On parle d'entrepreneuriat féminin et droit de la femme. Quel rapport faites-vous entre ces deux, Madame Nana? Pour moi, je vais sur la base que déjà, ça a été, c'est toujours très frais. Mm-hmm. Les droits de la femme pour voter au vote, c'est, on en parle de 67, quoi, 65. Mm. C'est des choses qui sont encore toutes récent, nouvelles, ouais. C'est toujours récent. On est toujours dans un mode où les droits de la femme sont la plupart du temps. Les grandes décisions sont prises par des groupes d'hommes. Mm-hmm. moi, je suis un peu. De temps en temps, on met une petite femme à côté pour dire oui, les femmes sont représentées. Voilà, exactement. C'est un groupe d'hommes qui prend les décisions. Donc, c'est sûr que ça va de soi. Quand on est dans un mode là où même l'accès à l'entrepreneuriat féminin est encore très limité, comme on disait. Donc oui, je pense que il y a toujours des défis, des choses à faire et il faut justement, on ne pourra pas y arriver seul. Je suis convaincue que c'est un changement de société. Il faut qu'on soit accompagné par la famille, par la société, par les hommes eux-mêmes. Ce changement ne se fera pas sans les hommes. Il faut qu'on accepte, il faut qu'il y ait... C'est pour ça que je pense que quand on parle d'éducation, c'est pas juste l'éducation des filles, des jeunes filles, c'est l'éducation des jeunes hommes. Comment leur faire comprendre que la femme n'a pas juste sa place à la maison, à la cuisine. C'est tout ça. Oui. Donc, il faut que toute la société soit au même niveau et grandisse avec intégrer ces informations-là. Exactement. Pour pouvoir avancer. En tant que juriste, Madame Kosebo, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat peut être un levier pour l'atteinte des droits de la femme? Oui, l'entrepreneuriat peut être un levier, mais pas seulement. D'accord. Un levier, c'est-à-dire déjà pour la femme, un moyen de pouvoir... parce que pour atteindre en fait ce défi de dire je participe à l'économie, je me sens bien dans le milieu économique, il faut vraiment être bien soi-même. Mmh. Donc déjà, je pense qu'une femme qui décide d'entreprendre dans un secteur d'activité qu'elle a choisi, c'est déjà un moyen pour elle de s'épanouir. Mmh. Et après, de se dire qu'elle contribue à l'édifice. Elle contribue à construire quelque chose. Et de par là, en fait, elle a une démarche évolutive où, en mettant un pas devant l'autre, elle peut maintenant participer à un processus décisionnel. Oui. Donc, je veux dire, c'est comme une échelle, en fait, oui. Et qu'on gravit au fur et à mesure pour arriver au sommet et pouvoir faire entendre sa voix. Oui. Mais, comme elle a dit, c'est pas seulement ça. On ne peut pas le faire seul. Vous imaginez, je prends l'exemple, l'échelle. L'échelle, à un moment donné, elle peut commencer à s'effriter. Mmh. Ou même la personne qui monte peut être fatiguée. Oui. On a besoin d'être portée par la société. On a besoin d'être soutenue par les hommes. Mmh. Ou même par d'autres femmes également. Voilà. Une femme, les femmes aussi doivent pouvoir compter sur elles-mêmes, sur d'autres femmes qui les entourent et qui les aident à avancer. Donc je pense que aussi il y a le côté solidarité également qui doit se développer en plus de l'entrepreneuriat. Et tout ça, ça contribue à un meilleur développement. Je lisais, les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population et que en fait toute la société même ne pourra se développer de façon durable si cette moitié-là n'a pas accès justement à des ressources pour se développer, pour s'affirmer, pour s'épanouir. D'accord. Est-ce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, Madame Odraogo, il y a ce sentiment de solidarité entre les femmes? Est-ce qu'il y a cet esprit de se fédérer, de se pousser, histoire d'atteindre le niveau des hommes? Je dirais que la solidarité, là, est en construction. Hein. D'accord. En construction, parce que encore faut-il même savoir que l'autre est là, ce qu'elle fait, etc. Donc là, c'est quelque chose qui doit se construire, effectivement. Et les incubateurs aussi, donc, participent à cela, à justement réunir les entrepreneurs, à les mettre en réseau, etc. Parce qu'effectivement, à deux, à trois, on va beaucoup plus vite. Oui. Je sais que ce n'est pas forcément dans les mentalités, surtout burkinabé ici, on a un peu peur de s'associer, mais on n'arrivera pas à lever vraiment de grands enjeux si on ne se met pas ensemble. Ce n'est pas possible, en fait.
C'est pas possible. C'est vrai que justement, moi, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que c'est opportun qu'il y ait une centaine de femmes qui entreprennent dans le même secteur si elles sont toutes dans la ville de Ouagadougou avec la même cible et le même produit qu'elles proposent? Est-ce que vous pensez que c'est possible, par exemple, pour cette centaine virtuelle, hein, j'imagine, de femmes qui font à peu près la même chose, de se mettre ensemble pour créer une seule et même entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans notre environnement burkinabé? Je dirais que ça dépend de la taille du marché. D'accord. Si le marché est capable d'absorber une centaine, voire 200 femmes qui sont toutes dans le même secteur et dans la même chose, etc., il n'y a pas de problème. D'accord. Mais si le marché est plus limité, c'est là. Et c'est là où la dimension d'innovation intervient. Okay. Parce que ça signifie qu'il faut créer de la nouveauté. Mm-hmm. Il faut créer de la nouveauté. On ne dit pas que c'est forcément que vous allez dans votre cuisine inventer une fusée ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça peut être, ne serait-ce même que dans l'organisation de la manière dont vous le faites là, ouais. votre travail. Peut-être que ça vous permettra de gagner plus de temps dans la production. Et à ce moment-là, vous pourrez produire plus que les autres, en fait. Si elles mettent, par exemple, je ne sais pas moi, un mois et que vous ne vous mettez que deux semaines, vous voyez le gain tout de suite. Vous occupez la place. C'est vrai. Donc, c'est tout ça aussi. Il faut vraiment qu'on sorte un peu des sentiers battus. On est tous un peu dans des domaines qui sont un peu comme ça. On fait tous la même chose et autres. Bon, il y a du sérieux de toute façon qu'il faut avoir. Mais il faut s'asseoir et réfléchir. Ce qu'on fait là, ok, je le fais. Pourquoi? Comment est-ce que je le fais? Comment est-ce que je peux améliorer les choses? Parce que le produit peut être à la base le même, mais après la manière de le faire, de le présenter ou autre, ou de cibler la stratégie même pour atteindre même le client, la peut être différente. Et ça fait toute la différence. D'accord. Et toutes cette centaine ou cette deux centaines de femmes là, bon, on les met de côté parce que vous avez l'approche du lot. Vous sortez du lot, exactement. D'accord, ok. En parlant d'entrepreneuriat féminin, justement, le monsieur qui devait être des nôtres et qu'on lui a gentiment remercié en lui demandant de rester à son bureau, quand même, on lui a demandé un petit mot à l'endroit de toutes ces femmes entrepreneurs-là. Donc, on a encore un mot de monsieur Sissao à l'endroit de toutes les femmes entrepreneurs. On l'écoute et on revient pour terminer notre émission de ce jour. J'ai une pensée particulière à ces braves femmes qui sont nos sœurs, nos cousines, nos tantes, nos mères, nos épouses, nos grandes-mères. Franchement, c'est pour reconnaître tout l'intérêt de la femme au sein de la population. L'intérêt en tant qu'épouse, l'intérêt en tant que mère, en tant que personne qui a un rôle fondamental dans la vie de l'être humain et qu'il faut travailler à consolider. Au niveau du Burkina, beaucoup de femmes se battent et elles font toujours preuve de sérieux justement dans le déroulement de leurs activités économiques, mais aussi de beaucoup de sérieux en ce qui concerne le remboursement et des prêts qui leur sont octroyés. Et ça, vraiment, ça montre à quel point la femme, c'est un maillon vraiment sur lequel on peut compter véritablement pour bâtir notre société, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue familial, culturel, politique. Donc il est question véritablement de travailler à la promotion et à la pratique de cette question d'égalité et d'équité de genre. Mais quand on parle d'équité ou d'égalité, vraiment c'est en termes de droit, il ne s'agit pas d'une égalité mathématique, il s'agit d'une égalité qu'il faut vivre au quotidien, reconnaître l'importance de la femme pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir, parce que de son épanouissement dépend l'épanouissement de notre nation. Et bien voilà, travailler pour l'épanouissement de la femme. Et comme aujourd'hui on parle entrepreneuriat féminin, vous qui êtes dans le secteur, qu'est-ce qui devrait être fait pour rendre moins difficile l'entrepreneuriat pour les femmes? Quand je dis moins difficile, ce n'est pas dire beaucoup plus facile, mais déjà limiter les difficultés qui sont liées à leur statut de femme, de sexe faible, entre guillemets. Qu'est-ce qui doit être fait? Oh, sexe faible, là, c'est relatif. Entre guillemets, oui. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur la formation. Une femme éduquée, c'est un levier de développement, mais incroyable. Ouais. Il faut vraiment, vraiment mettre l'accent sur la formation. D'accord. Moi, je pense que c'est vraiment l'une des clés. Mmh. Et puis vraiment travailler à leur donner accès à pas mal d'opportunités qui leur sont, je dirais, parfois refusées. Il a dit, hein, par exemple, pour les crédits, les femmes ont quand même un a priori positif parce qu'elles remboursent. Oui. De ce point de vue, elles sont consensuelles. Plusieurs fois, je l'ai entendu, les femmes, elles remboursent bien. Exactement. Alors que peut-être que les hommes
c'est pas trop dans leurs préoccupations, mais voilà, donc il y a des choses, il faut vraiment les former, leur permettre de pouvoir. Il y a des femmes qui ont des projets et ça peut prendre de cette dimension-là. Elles ont vraiment besoin d'un accompagnement et qu'on leur fasse confiance. Après, quel est le modèle qu'il faut pour ça? C'est un modèle, je pense que c'est. Il y a une co-construction à faire. Parce que les femmes doivent pouvoir dire quels sont leurs besoins. Je n'ai pas. Voilà, vous êtes, les entrepreneuses sont là et pourront mieux répondre que moi là-dessus. Mais je sais que voilà qu'il ne faut pas qu'elle soit limitée par des stéréotypes vraiment. D'accord. Vraiment qu'on puisse dire bon voilà aujourd'hui moi j'ai commencé mon activité peut-être avec 500 000 francs CFA, je suis arrivée à un chiffre d'affaires de 15 millions et autres. Moi je vise le milliard. Mm-hmm. Pourquoi pas? Faut pas que mais voilà, faut pas qu'il y ait cette réaction là en disant mais c'est pas parce que elles visent les sommets que elles sont moins féminines ou voilà c'est vraiment il faut vraiment faire ce travail là je pense. D'accord. Madame Nana? Non, je suis d'accord avec Madame Wendrogo. Je pense que ça va sur la formation, l'accompagnement encore casser les barrières sur le plan social et économique. Moi, je pense que pour ma propre expérience, une des grandes difficultés auxquelles j'ai fait face, même si après j'ai eu la chance d'être accompagnée, c'est les difficultés financières, l'obtention d'un prêt ou même encore c'est vraiment ça, c'est comment faire comprendre qu'on a une vision d'une entreprise, pas juste à 5-10 ans, qu'on veut faire, comme elle dit, pérenniser cette entreprise. Aller au-delà. On va au-delà, on n'est pas en train de chercher un chiffre d'affaires en millions, mais en milliards. Oui, c'est possible, même dans l'événementiel. Donc, c'est vraiment avoir cette confiance et cet accompagnement. Et je pense que ça fera toute la différence. Et pour l'entrepreneuriat en général, je pense que ce qui serait bien, c'est vraiment de faciliter l'accès à la création d'entreprises et tout le processus qui va avec par rapport même aux impôts, à des choses comme ça. Parce que je pense que tout le monde veut commencer son entreprise en étant dans la légalité. Personne n'a envie de ne pas payer ses impôts ou de faire des combines ou des choses comme ça. Donc, ce serait de pouvoir alléger un peu les lois pour pouvoir faire un accompagnement. Je pense que je viens de voir qu'au Sénégal, les trois premières années, quand on ouvre une entreprise, on est exempté de certaines taxes. Mm-hmm. Et je pense que c'est très important de le faire aussi dans toute la sous-région. Je pense que ça va vraiment alléger. Parce que si tu commences ton entreprise et que tu as des prêts, et dès que tu fais de l'argent, non seulement en dehors de payer tes prêts, tu es en train d'être poursuivi par les impôts, on ne peut pas s'en sortir. Ouais. Donc, c'est vraiment faciliter, je pense, les lois faciliter, comme je disais encore, l'accès économique. Pour ma part, c'est vraiment la plus grande difficulté que j'ai parce qu'après, les barrières sociales ou la pensée des autres, une fois qu'on a confiance en soi et à sa vision, à son entreprise, je pense que... On peut y arriver. Voilà, on peut y arriver. Madame Concebo? Oui, ça recoupe à peu près ce que je voulais dire. C'est vraiment la formation et l'éducation financière. Parce que on peut avoir toute la potentialité, mais si on gère mal son business, si on ne sait même pas, on n'a pas les outils pour bien faire, voilà, on se retrouve après avec la porte. Le business est fermé, ça devient compliqué. On met la clé sous la porte rapidement. Et... Donc, c'est vraiment former ces femmes-là. Oui. Ce serait bien, par exemple, nous, on a eu la chance, l'opportunité d'être incubés, de bénéficier. Mm-hmm. Donc, vraiment, ça serait bien de pouvoir élargir. Et comme elle a dit, après, ça s'adapte. Il ne faudrait pas que ça soit juste ouvert à des femmes instruites comme moi, par exemple, que ça soit ouvert à tout type de femmes et s'adapter à leurs conditions sociales. Okay. Voilà, qu'elles puissent être formées, qu'elles puissent savoir comment on gère un crédit et puis ne pas avoir peur. Parce que moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait pris un crédit, elle avait même peur de dépenser le crédit. Elle le déposait, elle le reprenait pour aller rembourser. Donc, elle n'avait pas cette idée. Oh, c'est dommage. Voilà, donc, en fait, c'est alors que... On n'a pas forcément l'éducation de la prise de risque. Exactement. Ouais. Donc, pouvoir nous apprendre, ben, ça remonte il y a des années. Mmh. Donc, justement, pouvoir leur apprendre comment gérer le crédit, ne pas avoir peur et ne pas être effrayé par le succès même que peut engendrer l'entreprise. C'est souvent, on a peur de notre propre succès. Ce qu'elle dit me fait penser à une dame qui est dans mon quartier, qui fait des galettes. Et en fait, à un moment donné, elle n'arrive plus à satisfaire la demande.
Et donc, naturellement, on l'appelle Yaba. Je lui ai dit, ah Yaba, tu vas pas mettre en place un deuxième foyer? Il dit, mais si je mets un deuxième foyer et que je n'arrive pas à tout vendre, qu'est-ce que je fais? Parce que, effectivement, il y a ça qui est là. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir. C'est vrai qu'on parle de formation, on parle d'instruction, mais au-delà de ça, il y a le côté un peu mental de la chose qui est quand même assez importante. Parce que, tantôt en début d'émission, vous avez dit qu'il y a des filles qui ont tellement peur du regard de la société, qui disent, on va faire une formation courte, on va faire un petit métier qui ne prend pas beaucoup de temps, histoire de laisser le maximum de temps à la famille, aux enfants et tout ça. Mais casser en fait ce complexe des femmes-là, comment on fait pour rompre avec ça, avec cet esprit que la femme a intégré de devoir accorder le maximum de temps, de ne pas dépasser son nombre, de ne pas faire de vagues dans la société. Comment on fait pour briser ça? Ça, c'est toutes les initiatives qu'on voit qui se font même au niveau du Burkina. Donc, je sais, on vous avait parlé du Wolof, etc. Mm-hmm. et autres là. C'est justement tout ce travail-là de... C'est un travail de société en réalité, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mm-hmm. Parce que même chez celles qui sont instruites, après, il y a des comportements qui font que on a tendance à se mettre en dessous. Je sais pas dans le sens où... c'est pas péjoratif, mais je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, dans le milieu universitaire, il y avait un travail de groupe et mm-hmm. automatiquement, c'est à la fille qu'on va donner la prise de notes. Mm-hmm. Bon, c'est utile pour tout le monde de savoir prendre des notes. Mais oui. Pourquoi est-ce que c'est à la fille qu'on donne automatiquement la prise de notes. C'est comme quand on parle, j'ai vu une annonce aussi qui m'a fait hérisser tous les cheveux sur ma tête. On cherche de belles jeunes filles. Je dis, bon, donc les moches, il y a un problème. Et pourquoi? Dites des jeunes gens motivés et autres, parce que c'est pour de la vente. Donc à ce moment-là, c'est la compétence qui compte, c'est pas le du physique. Coup, qu'est-ce c'est qu'on pas... vend? Oui, bon, enfin, à un moment ça, donné, en fait, c'est ça. Voilà, il y a des manières de... Il y a des petits messages comme ça. Des petits messages subliminaux là qui font que... Mmh. Ah, donc, et en plus, les jolies jeunes filles, on va dire que ce sont celles qui ont un format tout menu mmh. et celles qui sont plus en chair, non, ça ne passe pas. Donc, vous voyez que c'est vraiment un travail de fond mmh. à mener, en fait, pour casser pas mal de stéréotypes et de clichés que nous-mêmes, femmes, nous avons intériorisés. Hein. C'est pas forcément évident, on se rend pas compte de l'étendue de la chose, mais il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus, et c'est toutes ces initiatives là oui. avec une solidarité féminine que d'être encore plus agissante qui permettra donc de pouvoir, on n'est pas là pour, on peut pas casser la société mais non. C'est juste que on veut trouver notre place et dire que on est des acteurs comme les autres et surtout donc, contribuer faut... exactement parce que c'est juste ça, parce que si l'autre moitié ne fait rien, c'est sûr que on n'avance pas à la bonne vitesse. Exactement, il y a plus de la moitié qui est là. On n'avance forcément pas dans la bonne vitesse. Du coup, forcément, il faut gagner à ce que les femmes participent. Alors, sur Facebook, qu'est-ce qu'on nous dit? Mm-hmm. Alors, Daoudi, le parrain, qui dit « Quand une femme entreprend, elle réussit en général. Mais la grosse difficulté, c'est la famille, conjoint en particulier. Mais aussi les autres hommes, entre parenthèses, la société, qui mettent des bâtons dans ses roues pour parler droit. L'autonomisation financière de la femme facilite le respect de ses droits. » Ça, c'est ce que Daoudi nous dit. David Guigma qui dit que l'entrepreneuriat de la femme, c'est très bien, c'est à encourager, mais ne doit pas amener la femme à perdre de vue son rôle auprès de la famille. Une femme qui arrive à concilier les deux est deux fois plus bénéfique pour sa famille que l'homme. Donc l'homme, il n'est pas obligé de concilier les deux. Non, non. À la limite... Quand on les entend, c'est comme si l'homme était le passager clandestin du foyer. Quoi. C'est dommage. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre des clichés comme ça. Il y a des hommes qui s'occupent de leurs enfants également et autres qui encouragent leurs femmes. Il ne faut pas non plus faut pas réduire les choses quand même. D'accord. Mais du coup, après, en même temps, c'est vrai qu'il y a le regard de la société, en fait, sur les femmes qui entreprennent. Parce que quand une femme réussit en entrepreneuriat, on a vite fait de faire l'impasse sur sa réussite sociale pour dire oui, mais est-ce qu'elle a une famille? Est-ce qu'elle est heureuse en couple? On a vite fait de faire ce rapprochement pour dire que si elle a réussi là et pas là, c'est qu'elle n'a pas réussi. Donc pour toutes les femmes, et ça, moi je pense que ça contribue aussi à freiner les femmes qui ont envie d'entreprendre, d'oser. C'est dire non, c'est mieux que je gère mon foyer et tout ça. Au moins, du point de vue de la société, j'aurais réussi. Que de me lancer dans ça et de me casser la figure et en plus de détruire ça. Et ensuite, on me regardera comme une femme ratée. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes par rapport à ça? Il faut dire aux femmes que non, il faut avoir un rêve et se donner les moyens de pouvoir atteindre son rêve, en fait. Et l'entrepreneuriat, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes, c'est un engagement. Hein. Mmh. Vous allez, comme elles ont expliqué, vous allez tomber, vous allez vous lever. Vous allez tomber, vous allez vous lever. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez ce rêve-là.
et c'est une construction. C'est pas, on n'entre pas en entrepreneuriat comme si c'était une course anodine, en fait. Hein. C'est vraiment un travail de fond. Et c'est une construction de tous les jours. C'est ça aussi qui est le côté passionnant, je pense, dans l'entrepreneuriat, pourront le dire. C'est que tous les jours, on a la satisfaction de pouvoir dire qu'on a la maîtrise sur quelque chose. Mm-hmm. Et vraiment, on empile des si c'est des briques ou des cubes. Et on franchit des étapes et on s'améliore, en fait, personnellement et dans la société. Ben voilà, donc on a Iska Le Heureux qui dit « Salut à vous. J'encourage l'entrepreneuriat féminin car la femme met en œuvre ses talents qui sont en elle et qui soient bénéfiques à son pays. Aussi, à travers ça, elle peut contribuer à subvenir aux besoins familiaux, l'éducation des enfants, certaines tâches ménagères, à ne pas oublier. » C'est très important. Les hommes nous le rappelleront toujours. Inoussa Tao, bonjour à toutes ces femmes battantes sur le plateau. Vivement que vous soyez des modèles pour les autres femmes qui vous suivent. L'entrepreneuriat féminin est la clé du développement de notre société. Ouais. Sans aucune remarque, c'est bien. Alors, on a Fils Kodombo qui dit « Quand une femme entreprend, c'est vraiment bénéfique pour la famille. Mais certaines femmes, une fois devenues entrepreneurs, elles négligent les travaux de la famille. » Oui, c'est ce qu'il dit. Elles négligent les travaux de la famille. Et bon, bref, je vais pas aller sur... Non, il faut pas que j'y aille, parce que si je commence, on va sortir. C'est un autre débat. Ambroise Okologo qui dit « Bon vent à l'émission et bonne fête à vous. Dieu vous guide et vous bénisse pour tout ce que vous faites de positif dans la société. » Le Pépite qui dit « L'entrepreneuriat féminin n'est pas remarquable chez nous au Burkina parce que la société les entourage au lieu de, les soutenir, leur met les bâtons dans les roues. Personnellement, je crois que le gouvernement burkinabé doit beaucoup aider les femmes qui veulent vraiment entreprendre. Je rappelle, on peut débuter une entreprise avec des miettes de sous. Force à vous, chère maman. Mais l'entrepreneuriat féminin n'est pas remarquable chez nous. Non, franchement. Je pense peut-être qu'ils ne regardent pas dans la bonne direction. Je me dis. Ou bien, mesdames. Non, je pense qu'il veut dire c'est par rapport au potentiel qu'il y a. Je pense que c'est plus cette remarque. Je pense pas qu'il. Je pense que la personne faisait cette remarque là par rapport au potentiel. Le potentiel est là, mais il n'y a pas l'encouragement derrière. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment dommage. Ça va vraiment encore dans la formation, l'éducation. C'est vraiment au plan social. Comment changer les mentalités de toute la société. Les femmes, ça représente toujours 2/3 des illettrés dans le monde. C'est quand même un problème. Malheureusement. À 2/3 des illettrés, en étant la moitié de la population du monde ou plus aujourd'hui, presque à 60%, le développement à un moment, il faut, si on reconnaît que c'est par l'éducation, ça veut dire qu'il faut bien engendrer le pas. Il faut éduquer tout le monde. Et éduquer tout le monde. Et ça commence souvent dans les familles aussi, ouais. Parce que souvent, c'est dans les familles qu'on transmet cette peur de l'entrepreneuriat aux petites filles qui grandissent avec et qui ensuite transmettent ça à leurs enfants et ainsi de suite. Donc il faut peut-être commencer à briser ça dans les familles pour expliquer à la fille que oui, autant que le petit garçon peut devenir chef d'entreprise et implanter une société qui vivra 100, 200, 500 ans plus tard et c'est pas sorcier. Salif Zouré qui dit bonjour, je fais un petit coucou à Stéphanie. Belle, merci, émission et courage aux femmes. Pour l'esprit entrepreneurial, merci beaucoup Salif. Abdel Aziz Sidibé, je crois que les femmes sont à féliciter face à leur courage. Elles sont de plus en plus battantes de nos jours. J'aime beaucoup une femme courageuse. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup Aziz. Yasko Odraogo, bonjour, belle émission. Je voudrais qu'on me cite quelques droits dont l'entrepreneuriat peut-il être le levier pour l'atteinte des droits de la femme. Ok. Mais j'essaie de comprendre. Parce qu'en fait, le sujet, c'est l'entrepreneuriat féminin, levier pour l'atteinte des droits de la femme. Et je pense que la question, c'est quels sont ces droits-là, quels sont les droits de la femme qu'on pourrait éventuellement atteindre à travers l'entrepreneuriat. Moi, je pense que c'est ça. C'est plutôt ça. Donc, je pense que c'est ça, mais sans forcément m'y connaître en matière de droit. Moi, je pense déjà que quand on en arrive à l'entrepreneuriat,
on a déjà l'accès au crédit, souvent l'accès au foncier. On a même le droit à l'éducation et à la formation qui sont autant de droits que les femmes peuvent atteindre à travers l'entrepreneuriat et justement cette transmission derrière qui fait que quand on devient un exemple, naturellement, on inspire et on contribue à lutter pour égaliser les choses. Dans l'univers de l'entrepreneuriat, on sait qu'il y a de l'inégalité. Dans le monde du travail, les salaires, c'est pas pareil. On a un certain nombre de traitements qui doivent encore être revus. Je sais pas si la juriste peut m'aider. Mais moi, je ne me connais pas forcément sur la question, mais il veut savoir quels sont les droits que l'entrepreneuriat pourrait éventuellement aider à atteindre pour la femme. Oui, c'est déjà très bien cité. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les domaines, dans le carcan juridique en tant que tel, mais c'est dit comme ça, c'est très bien. Et puis, au-delà même des droits personnels de la femme, c'est ce droit, c'est cette capacité même qu'elle a aussi de contribuer à l'épanouissement de sa famille. Et de pouvoir, il y a des femmes qui se retrouvent seules ou qui n'ont, enfin après même c'est difficile, où elles pourront même instruire leurs filles, leurs garçons également, leur permettre également d'assurer leur droit à l'éducation. Donc en fait ça se transmet en fait au fil du temps. Donc c'est tout ça en fait pourquoi ça contribue à l'épanouissement de la société pour tout le monde. Que ce soit au plan individuel qu'au plan, que sur le plan général, en fait. Ben voilà, donc Yasko Ouedraogo, on espère qu'on a donné quelques éléments de réponse. Alors, Cheikh Yamego, bonjour, bon début de semaine. L'entrepreneuriat féminin, moi, je pense que c'est à encourager, car il faut reconnaître que lorsqu'une femme se décide à faire une chose, elle s'y met pour réussir, et cela lui confère un certain respect. Abdoul Le Chancelier, bonjour, belle émission et courage à vous les femmes. Merci beaucoup. Alors, Bicha Ursule Koul, j'espère que je lis bien. L'entrepreneuriat féminin, je ne suis pas contre, mais nous ne devrions pas oublier la famille. Et j'invite les hommes aussi à ne pas confier seulement à la femme l'éducation des enfants. Bonne suite à vous tous adorables. Merci beaucoup. Moi, c'est bien le rappel, c'est bien. le rappel, c'est bien. Sofiane Bambore qui dit « C'est normal, mais les femmes doivent avoir du courage, ce qu'il fait. » Duke School, salut, belle émission. Reine Stéphanie qui dit « Salut, un gros coucou à vous, que Dieu vous bénisse. » Merci beaucoup, Reine. Ouda Wenrata, bonjour, bonne émission. Abel Zongo, bonjour à vous et bon vent à l'émission. Ce sont les commentaires qu'on a jusque-là. Je pense qu'on en a reçu d'autres, mais en attendant, malheureusement, on est pratiquement à la fin de cette émission. Donc, naturellement, je reviens à vous, mesdames, pour notre dernier tour de table, spécifiquement pour ce que toutes ces filles, toutes ces femmes qui aimeraient bien entreprendre, qui peut-être hésitent ou qui ont commencé et qui sont tentées de baisser les bras parce qu'il y a des difficultés, parce qu'elles ne sont pas forcément encouragées, parce que la société, leur époux, leurs parents, derrière, sont en train de leur envoyer un message « Non, laisse tomber, tu n'y arriveras pas ». Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces femmes-là? Je commence par Madame Nam. Alors, moi, je dirais j'aime bien, il y a quelque chose qu'on me dit souvent, une personne assez spéciale dans ma vie, très spéciale même, me dit souvent, les épreuves, les épreuves ne sont pas les épreuves, c'est les épreuves qui sont le chemin. D'accord. Donc je pense qu'il ne faut pas voir les difficultés comme étant un stop à pouvoir s'émanciper, à pouvoir arriver à ses rêves et à faire des réalisations. Il faut voir toute chute comme une nouvelle opportunité d'apprendre. Et honnêtement, c'est ce que moi je retire en tout cas de mon expérience, c'est que toutes les fois là où j'ai trébuché, là où j'ai eu l'impression que j'allais pas m'en sortir, j'ai toujours su rester positive, apprendre ça comme un levier d'apprentissage. Ne pas voir ça comme des échecs, vraiment. Je ne pense pas qu'il y a des échecs dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que même aujourd'hui, même ceux qui sont les plus grandes familles, les gens qui ont des entreprises qui sont les plus établies, ont toujours des difficultés, rencontrent toujours des problèmes. C'est vraiment comment savoir prendre ces problèmes-là et ces difficultés et en faire
un levier d'apprentissage pour aller de l'avant. Donc, d'accord. Moi, je dirais de rester courageuse, de rester forte. C'est vrai que le climat social et économique n'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Mais je pense que quand on est convaincu de ce qu'on fait et qu'on a une passion et qu'on est épanoui, c'est déjà le premier combat. D'accord. Madame Cossébo? Moi, je dirais qu'il faut commencer quelque part, en fait. Il faut dépasser ce stade d'idée, de projet. Il faut tester. Il faut tester. Comme en entrepreneuriat, comme elle a dit, il n'y a pas d'échec, il y a des insuccès. D'accord. Si ça ne marche pas, on va apprendre. Pourquoi ça n'a pas? Il faut toujours tirer la leçon. Qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais éviter pour que ça marche la prochaine fois? Il faut commencer. Après, il y a beaucoup qui s'assoient et disent « Ah, j'avais cette idée, mais l'autre l'a fait avant moi. Du coup, je ne sais pas. » Non, il faut commencer parce qu'on a toujours, on peut avoir les mêmes idées mais, et même entreprendre dans le même domaine, mais l'approche reste différente. L'approche reste personnelle. Donc, il faut commencer, il faut tester, il faut accepter de rencontrer des difficultés, apprendre, se relever. Même on n'a pas besoin même de commencer avec des millions. On commence toujours avec ce qu'on a, on s'adapte et on apprend à ne pas dépenser tout son argent, tout son bénéfice. On apprend. Voilà, et à réinvestir et aller au fur et à mesure. Donc il faut se donner des objectifs, voilà, des moyens de les atteindre. Également, il faut se discipliner, oui. Il faut apprendre, il faut se cultiver. Parce que ce n'est pas le fait de dire « Ah, j'entreprends dans tel domaine et on s'assoit sur ses acquis ». Non, il y a tellement de choses qui changent du jour au lendemain. Il faut se former et moi, très honnêtement, j'ai aucune formation en cosmétique. J'ai jamais fait de cosmétique, mais j'ai décidé d'apprendre, d'être autodidacte dans ce domaine. Et cette année, j'ai décidé de m'inscrire dans un centre pour apprendre, pour être préparatrice en cosmétique naturelle. Donc c'est important, on ne peut pas être là à tâtonner et puis se contenter de l'amateurisme. Il faut se professionnaliser. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline qu'il faut s'auto-imposer et c'est important. Donc, il ne faut pas entreprendre juste parce qu'on vous a dit d'entreprendre ou parce que c'est à la mode de l'entrepreneuriat féminin. Il faut se rendre compte de ce dans quoi on s'engage et surtout se donner, s'armer de tout ce qu'il faut, de courage et se donner les moyens pour y arriver. Madame Drago. Oui, c'est ça. Il faut être surtout organisé. D'accord. Surtout qu'on a eu pas mal de rappels en disant « mais la famille, là, c'est comment ?» Donc, d'autant plus, soyez organisés, mesdames. Ça. Voilà, il faut être organisé. Et comme elle disait, il faut être curieux. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, là, qui sont sur les réseaux sociaux, c'est l'affairage. Mm-hmm. On est sur les réseaux sociaux pour s'affairer. Mais il y a tellement de ressources pour s'auto-former. C'est surtout ça qu'il faut. Et puis, il faut s'engager. Il y a des événements qui passent, il y a beaucoup de choses. Il faut y aller, il faut aller s'intéresser. Il y a peut-être des opportunités à saisir. D'accord, donc chercher, se lancer, prendre le risque de tomber, trouver la force de se relever, apprendre de ses erreurs et aller de l'avant. Et surtout espérer atteindre le sommet. D'accord, merci beaucoup à toutes ces dames-là. Donc pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, qui sont certainement intéressés par tout ce que vous faites, Madame Nana Diam Seven, s'il y en a qui ont besoin de vous pour leurs événements, comment ils font pour leurs, pas que pour la déco, hein, c'est l'événementiel. Pour l'événementiel. Oui. Alors, on a une page Facebook qui est donc Diam's Events et aussi on est joignable par email. D'accord. À contact@diamsevents.com. D'accord. Et on est situé à Ouagadougou ici, pas très loin de vous. Ah, super. On est pas loin de l'ambassade des États-Unis. Vous dépassez, vous continuez vers la trame d'accueil. Et vous ne devrez pas nous rater, on est au-dessus de l'agence Suno Assurance. D'accord. Ok, donc pour tous ceux qui ont besoin d'experts pour leur événement, Diam's Events, on vous le recommande. Et pour toutes celles qui aiment bien prendre soin d'elles au naturel, Beauty by Emerald. Voilà, Beauty by Emerald. On a une page Facebook qui s'appelle Beauty by Emerald, cosmétique bio-artisanale. Oui. Sinon, également, je suis joignable personnellement sur mon numéro professionnel au 57 12 16 40. On recommence. 57 12 16 40. D'accord. Et pour toutes les pharmacies, parce que j'aspire à étendre mon réseau de distribution. Donc, je travaille également avec les pharmacies et les parapharmacies qui souhaiteraient faire un partenariat. Okay. Je suis également ouverte à cela. D'accord. Et pour tous ces porteurs de projets, ces jeunes entrepreneurs, ces entrepreneurs confirmés qui veulent passer à une autre étape et qui se disent que ce serait intéressant d'avoir le regard d'un incubateur, comment ils font pour bénéficier de l'accompagnement du centre du dossier ?
Je peux répondre pour deux IE. Oui, pour voilà. Deux IE. Donc, pour deux IE, le plus simple, c'est de nous envoyer donc, un mail. Okay. Et à ce moment-là, on organisera les modalités de rencontre. Sachant que nous sommes au siège de deux IE qui est à côté de l'ENAM au niveau de l'Université d'Ouaga. D'accord. Et donc, mon adresse personnelle, c'est sarah.wedraogo. Okay. @, donc le chiffre 2, okay. Petit i, petit e, le tiret donc du 6, edu.org. D'accord. Un peu compliqué, okay. Mais bon. On va recommencer. Donc sarah.wedraogo, @2ie-du6edu.org. Voilà. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons tenu cette émission grâce à l'accompagnement du Profegec, qui est le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté. Donc justement, avec lequel travaille l'incubateur du Deux IE qui accompagne Beauty by Emerald. Merci beaucoup à Diam Seven d'avoir été des nôtres. Merci grandement au Profegec de nous avoir permis un peu de jeter ce regard-là sur les réalités de l'entrepreneuriat féminin. Mesdames, vous l'aurez compris, les hommes sont d'accord pour que vous entrepreniez. En n'oubliant pas la famille, messieurs, s'il vous plaît, aidez les dames qui veulent entreprendre à ce qu'ensemble nous puissions contribuer à construire notre nation. À demain, on se retrouve pour un autre sujet dans l'offre. Prenez grand soin de vous. Au revoir.